Hey, salut tout le monde, c'est Superflo, comment vous allez? Moi ça va super bien, on se retrouve sur ETS plutôt, désolé, ouh j'ai fait un gros trou, ETS pour nouvelle vidéo. Donc j'ai mon nouveau camion, j'ai un peu tout simplement triché pour l'avoir, parce qu'en fait j'avais pas de thune et à chaque fois en fait j'avais des soucis, je faisais des prêts à la banque, mais à chaque fois il y avait personne pour... Oui, il y avait personne. Je faisais des prêts, mais en fait, à chaque fois, je me faisais avoir, tout simplement, parce que quoi? Parce que, tout simplement, il y a des gens qui s'amusaient à m'en fond, voilà, sans fond, à me rentrer dedans. Donc, du coup, ça m'énervait un peu. Donc, du coup, j'ai un peu triché, voilà, pour avoir mon camion. Tout simplement, comme ça, je suis tranquille, parce qu'à chaque fois, je suis emmerdé, parce que c'est vrai qu'on est un petit level. Et, en fait, bah... Quand je m'amusais en fait à rouler normalement et tout, il y a des mecs qui arrivaient en face à face ou sur les côtés, ils me rentraient dedans, donc du coup, bah voilà, j'avais plus mon camion, il était abîmé, à chaque fois je le réparais, ça me saoulait un peu de le réparer tous les jours. Imaginez-vous réparer les pneus et tout, la marchande, tout le camion, ça vous fait perdre la thune, en plus vous arrivez en retard sur le chantier et tout, c'est chiant. Donc du coup, voilà, bah, j'ai un peu triché, j'ai envie de vous dire, donc c'est, j'ai mon camion, je suis content, mon petit Volvo. Je le ressens la vitesse déjà, puis quand il roule, je viens de l'avoir, donc c'est pour ça que je fais cette petite vidéo là, pour la vidéo du vendredi. Mais par contre, c'est réglé, j'ai eu peur. Attendez. Oh là, on n'entend pas trop le klaxon, enfin je modifie ça un peu. Pour les personnes qui veulent peut-être voir le camion un peu plus près, il est comme ça. Voilà, il est beau, couleur de la France. Derrière, c'est la tour Eiffel, donc c'est... Ça vient du DLC vive la France. Si j'ai pas de bêtises, hop, on va éviter les accidents. Donc voilà. Les petits gyrophares qui vont ensemble. Que j'attendais depuis longtemps. Donc là on va. Attendez. On va juste épaisser le son, voilà, il y a du monde qui parle, donc c'est un peu embêtant. On a du bouchon de Liège 5 tonnes, donc ça va encore. J'espère qu'il fallait pas tourner. Non c'est bon. Donc par contre le truc bleu j'ai mis sur le volant, c'est un peu moche, je vais l'enlever. Par la suite. Bien sûr, parce que voilà, donc du coup ça y est, j'ai un bon camion, maintenant je peux refaire des vidéos plus facilement sur le jeu pour mieux, voilà, mieux jouer, parce qu'à chaque fois c'est vrai qu'on a un petit camion, qu'on commence le jeu, c'est un peu embêtant. Si vous voulez savoir comment j'ai fait, vous me demandez dans les commentaires, je pourrais faire une vidéo si ça vous tente dessus, pourquoi pas. On peut faire pareil aussi pour les levels, mais après les levels c'est pas très intéressant non plus. Donc pour les lumières, je suis pas en manque, regardez. Voilà, je peux, de toute façon je vais en mettre peut-être d'autres. Putain mais l'autre il abuse. Bah ouais mais mec abuse pas s'il te plaît. Fais pas le con José. Fais pas le con. Non mais c'est bon, j'ai pas trop roulé dans la gueule non plus. Le mec il en fait trop exprès, il se décale trop sur la droite. Le mec je suis loin sur le côté, il se décale à la droite, il en fait trop exprès. Donc voilà ce que je vous disais, c'est mieux parce qu'à chaque fois qu'on a un accident, vous n'avez pas beaucoup de thunes pour commencer, même si vous faites des prêts à la banque, comme on peut faire des petits prêts à la banque, mais le souci c'est que bah, à chaque fois qu'on fait des prêts, après bah, il faut rembourser. Donc quand vous avez de la thune et qu'il faut rembourser les prêts, c'est un peu chiant. Déjà en plus qu'il faut acheter l'essence, les péages qu'il faut payer, bah, vous n'êtes plus de thunes. Des fois je me retrouvais beaucoup à découvert, quand vous avez remarqué sur chaque vidéo. Sur chaque vidéo que je faisais, bah c'est sûr j'étais à découvert, donc c'était chiant un peu parce que je pouvais rien faire du tout. Dès que je prenais un feu, bah je perdais de la thune. Dès que je prenais un contre je roulais à contresens, c'était pareil. Quand par exemple j'avais un accident, bah je devais réparer mais c'était en moins, donc du coup j'étais dans le rouge. J'étais à 1000, moins 1200, donc du coup ça me faisait chier. Je rageais un peu parce que j'ai pas un bon camion. Là au moins j'ai un bon camion, j'ai un peu triché, je l'avoue. Mais vous allez voir la thune qui est en à droite, vous allez voir la thune, vous allez dire oh, t'as abusé et tout, t'as triché, ça vaut plus le coup de jouer. Je suis d'accord, mais bon, ça me saoule un peu de voilà de pas avoir de choses. Là je vais pas toucher la thune de toute façon. C'est moi ou la. Non je crois que c'était de travers derrière, j'ai eu peur. Donc voilà un peu le camion, il est beau. Je peux confirmer qu'il est beau. Donc je l'ai. Oh merde, il faut les sortir. Non je peux continuer. Merde. Désolé.
je m'en fais ça, voilà. C'est des choses qui arrivent, bah lui il est tourné de toute façon. Ça va, je peux prendre par là, je pense. On a 4 heures de route, donc on est tranquille, on peut profiter. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans les commentaires qui vont me dire « Ouais, mais t'as triché, ça sert à rien de jouer sans un jeu, sans tricher. » Mais bon, j'ai envie de dire, en même temps, c'est... Je suis d'accord. Mais bon, quand tu joues dans un jeu comme ça, quand tu joues en multijoueur, quand tu décides de jouer en multijoueur et que... Ah merde, putain, pourquoi j'ai pas tourné, en fait, je suis débile. Et quand tu vois que t'as les mecs qui te font mal, quand je dis qu'ils vous fait mal, en fait, c'est quand bah, les mecs vous rentrent dedans, vous perdez de la thune, parce qu'il faut réparer le camion, donc vous perdez de la thune. Donc, du coup, voilà. C'est ça, j'ai envie de vous dire aussi. C'est tout à fait normal, je comprends ce que voilà, ce que vous allez dire. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont triché, parce que quand on voit les camions, ils sont beaux, je vois, il y a un... je balance pas, mais voilà, il y a un youtubeur que je donne pas le nom. Pareil, le mec, il avait des thunes maximum. Regardez le mec qui colle. Ils sont tellement pressés, les mecs qui collent. Ça, ça m'énerve aussi. Donc, ouais, il y a une personne qui fait des vidéos aussi sur ETS. Je donne pas le nom. Et après, voilà, j'ai rien, je vais pas faire ma balance. Et c'est pareil, le mec, il a un maximum de thunes. Il y a beaucoup de personnes qui ont un maximum de thunes. Donc c'est pour ça qu'il faut pas juger. Je pense que tout le monde fera la même, parce que c'est un peu chiant. Pour une fois, je peux le faire. Je le fais jamais sur GTA. Donc sur GTA, je peux pas le faire. Tout au moins. Donc voilà. C'est pour ça que je le fais là. Mince, désolé. Voilà. Juste faire ça. Voilà. On va remettre le rétro. C'est ça, je voulais faire une petite capture d'écran. Donc il est vraiment beau le camion. J'adore. Volvo en plus. Donc je vais voir pour l'acheter un autre plus tard, un man ou je sais pas, conseillez-moi des camions. Après si vous voulez faire des vidéos, pourquoi pas, on peut faire des vidéos ensemble. Si vous êtes sur sur OTS, dites-moi le sur PC bien sûr, parce que je crois qu'il est sur console aussi. Donc dites-moi sur PC s'il y a du monde sur OTS, comme ça on peut faire des voyages. Je sais en principe qu'on peut embaucher du monde, donc comme ça on peut partir de tel endroit, aller de tel endroit et tout. Donc pourquoi pas. Dites-moi le dans les commentaires si ça vous tente de faire des vidéos ensemble sur OTS, se balader pendant 1 heure, 2 heures et tout. Pourquoi pas. Voilà, faut faire pour tout le monde, mais voilà, pourquoi pas. Donc, ouais, j'ai changé tout simplement le camion parce que avant c'était Mercedes, le premier que j'avais, le noir. Et ceci, c'est que il était long au démarrage, il était long au freinage. Même avec les réglages, c'était chiant. Il était long quand je montais une côte. Quand vous rentrez sur l'autoroute, il y a des petites rues. C'était pareil, c'était chiant et tout. J'étais à 15 km à l'heure, ça m'énervait à chaque fois. Quand je joue avec Anto, c'était pareil. Je suis toujours à la traîne. Anto, il me trace et moi, je suis derrière. Donc, c'est pour ça, en fait, ça m'énervait un peu le système de comment s'appelle, de pas avoir un bon camion. Je peux confirmer. C'est un peu chiant. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissaient ce jeu. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai profité de faire ce glitch-là. C'est bon, je l'aurais pas fait. Si ça aurait été trop facile de jouer, oui, je l'aurais pas fait. Mais comme c'est compliqué à chaque fois, on se fait rentrer dedans et tout, voilà, je le fais. C'est pour ça que je l'ai fait, c'est tout simplement parce qu'à chaque fois, je me fais rentrer dedans, c'est chiant. Ça se comprend d'un côté. Donc là, on est bientôt arrivé dans 3 heures à peu près, donc on va être bien. On va juste regarder un truc. Ok, on doit arriver pour... Ouf. C'est ma faute. En fait, parce que j'ai changé d'avis en mettant... Merde, puis moi je suis en train de klaxonner. C'est bon. Désolé, parce qu'en fait j'ai glissé ma main, elle a glissé sur les touches de la manette et en fait ça m'a enlevé la vue. C'est un truc que t'as pas fait. Donc là je sens déjà le camion il accélère plus facilement. Ça c'est sûr. Bon bien sûr j'ai pas tout les... Le moteur il est à fond mais j'ai pas vraiment tout, j'ai pas tout débloqué. Mais là je sens déjà il décolle, le camion il va plus vite que l'autre parce que l'autre à cette heure là, là on est à 90 pratiquement. Ouais l'autre j'aurais mis au moins 2-3 minutes à mettre 90, à partir à 90. Imaginez-vous un peu. Juste pour faire 90 km à l'heure, je suis mort là déjà. Sur cette route là, là on rentre sur l'autoroute et on ressort sur l'autoroute mais on rentre. Juste pour vous dire, là je suis à 91 à peu près. Avec l'autre camion j'étais à 15 km à l'heure. Juste pour rentrer sur l'autoroute ou pour sortir d'une autoroute. Hein. Donc à quel point qu'on voit la différence quand même. C'est sûr les mecs des fois ils mettent des pilules parce que eux ils ont des gros levels.
ils ont acheté les plus gros moteurs, c'est normal. Après, plus qu'on a un plus gros moteur, plus voilà, c'est mieux. C'est sûr. Après, c'est pas le but non plus. Ça, c'est clair. C'est pas le but. Voilà. Ah, parce que j'avais laissé mes feux allumés. On va l'éteindre. C'est mieux. C'était quoi marchandise? J'avais dit des bouchons en liège. C'est très intéressant. Ça change à chaque fois. Moi, j'adore. C'est voir la cargaison et tout. Ah oui, c'est vrai. Lui, il a une remorque vide. Mais en fait, il a un chargement parce que. Ah, je crois qu'il est décalé. Hop là. Enfin, j'essaie de changer les klaxons. Oh, l'autre il est derrière mon cul, lui. C'est pas possible. Ah, il est à ce côté. Ah, voilà, c'est bon. On se klaxonne, on n'en aura jamais fini, j'ai envie de dire. J'ai juste le bruit du camion. On va juste se mettre comme ça. Si vous voulez voir le bruit et un peu le camion. Voilà, on va se remettre dedans parce que sinon ça va foutre le bordel. Sinon je vais foutre le bordel, ça va pas aller. Donc là ça me fait super plaisir, même si le camion il est pas vraiment à fond. Je verrai pour la suite pour le custom un peu plus. Mais là je suis tranquille. Bon, de toute façon, même avec l'autre camion j'avais pas de soucis parce qu'avec l'autre camion j'arrivais tout le temps à l'heure sur le travail quand j'avais pas de. Sur les livraisons j'arrivais toujours à l'heure quand j'avais pas des accidents. Donc voilà, ça me va. Après c'est sûr quand on a des accidents c'est un peu plus chiant. Il y a deux mecs qui me suivent là. Et un qui me suit derrière. Par contre lui il roule vite hein. Putain. Je sais pas si sa remorque elle est vraiment pleine ou parce que en fait ils ont des choses sur les remorques parce que c'est des mods qu'il y avait mais en fait ça a été supprimé. Et du coup bah c'est ça qu'ils ont derrière. Ouf, pas pu freiner. Oh c'était moche. Oh c'était moche. C'était moche, très moche. J'ai pas pu freiner là. Je sais pas si on peut choisir aussi les freins. Je sais qu'on peut faire sur les pneus et tout, mais wow, j'ai pas pu freiner. Sérieusement. Sérieusement, c'est passé, mais ça fait peur. La prochaine fois, on ira un peu plus loin. Donc, si vous voulez participer, dites-moi les amis. C'est sûr, le klaxon est différent chez eux. En fait, j'abaisse un peu le son parce que c'est pour éviter d'entendre les personnes qui parlent. Parce qu'à chaque fois, ça râle ou ça. Ils ont un micro qui est un peu dégueulasse. Donc là, on arrive dans 2 heures, on est en paix, on est tranquille, on est dans la campagne. Abruti. Putain, ils sont chiants les gens. Buuuu. Le vieux klaxon, buuuu. Il y a du monde par ici, on se croise, hein. Putain, j'ai cru qu'il allait venir me faire chier, lui. La manière je le voyais partir. Je me sers un peu plus sur la droite parce qu'ils sont capables d'arriver et puis de taper, on sait jamais. Parce que là, en principe, il n'y a plus personne. On est 5, mais 4. Il n'y a plus personne, je pense pas. Yeah. On y va tranquillement. J'ai vu, par contre, en décoration, on pouvait mettre des trucs là sur le tableau beurre, là, à côté de GPS. Mais j'ai rien encore. Est-ce que ça va arriver par la suite ou pas? C'est juste pour savoir. Est-ce que c'est moi qui ai mal regardé, hein? Peut-être aussi. On verra par la suite. C'est peut-être moi qui ai mal regardé, donc du coup, voilà. Bon, de toute façon, ça fait du bien, on peut changer de jeu. Pas tout le temps du GTA, là, on profite sur le PC. J'ai encore d'autres jeux à vous présenter. Si ça vous intéresse. De conduite comme ça. Donc, dites-moi lui dans les commentaires aussi. Ça me fera super plaisir pour savoir. C'est que, si vous voulez que je recontinue des jeux comme ça. C'est un jeu de car et de bus. C'est différent. Mais c'est vraiment un stylé. Après voilà, faut tester, faut y jouer. Moi j'adore. Je prends le goût maintenant, je remercie quand même Anto parce que c'est grâce à lui en fait qui m'a dit de jouer à ce jeu et voilà, maintenant je kiffe. Je joue dessus. Et c'est vrai, c'est un bon jeu. Je vous le conseille vraiment, je vous le conseille. Après si vous avez un bon PC, ça va. Si c'est sur les consoles, je sais pas. Mais c'est un bon jeu. C'est pas compliqué. C'est un bon jeu. Ça change un peu de. De jeu de console, ça GTA tout le temps, c'est un peu embêtant. Donc, je sais en plus que je dois finir mes jeux en fait sur console. Justement, le flemme, l'autre il me rattrape derrière. Je sais pas si c'est le même de tout à l'heure. Il me colle un peu trop au cul lui.
Et s'il me fonce dedans, je te promets, je le vire. Ah, c'est lui de tout à l'heure. Vous avez vu comment il l'a rattrapé? Il doit être à 100 là à peu près. Et il a pas encore dépassé, il bug. Putain, il est en train de friser le mec. En fait, ça fait tout simplement peur parce que le mec il frise. Et il va me taper dans le cul. Putain! Bah ouais, mais arrête un peu. Ouais, bah c'est bon, on a compris. Mec, tu frises. Putain, je suis obligé de m'arrêter du coup. Il faut arrêter d'aller sur des sites. Du Père Noël. Non mais le mec il freeze. Oh, faut bien rigoler. Oh putain, il y en a un deuxième derrière. Ah du coup, ça va, il est bien, mais il est pas, je suis pas à fond. Et en même temps, il y a combien de tonnes aussi? J'ai pas regardé les... Ah, j'ai 5 tonnes, non, en principe ça passe largement. Bon ça va, ouais, 100 tonnes, j'avance quand même, parce qu'avant j'avais du 22 tonnes sur l'autre. Je faisais du sur place avec le camion. 90, pour moi, j'avais l'impression que ça avançait pas. Là, ça avance encore, je vois, ça avance. Mais avant que je faisais du 22 tonnes, j'avançais pas du tout. Là, on ressent la différence déjà. Déjà, j'ai les gyros, ça me fait plaisir, les gyrophares. Que ça fait super plaisir déjà ça. Déjà pour le soir, c'est cool. Là, je les ai allumés. Mais c'est mieux le soir. Parce que c'est bien, maintenant, on voit les reflets sur les côtés, sur les... Pas sur le... Sur les bordures ou sur les panneaux, on voit les reflets. C'est vraiment stylé. On est bientôt arrivé, c'est super cool ça. Qu'est-ce qu'il a klaxonné derrière? Il y a du monde derrière ou quoi? Je sais pas, on voit pas. Pas faire le con parce que c'était là, je vais me retourner. Il y a un mec. Il y a deux mecs. Ah mais ils sont chiants de prendre mal du virage. Ils en font exprès des fois à se mettre comme ça puis taper dedans. C'est pour te faire peur aussi, comme ça tu te retournes avec le camion. Je l'ai fait une fois. J'ai regretté. Moi non, j'ai pas vraiment regretté. En fait, c'était sur Paris parce que c'est sur Paris. Au début, je savais pas, mais il faut jamais y aller sur Paris. Et voilà, ce que je vous disais. Des bolos. Voilà. Des gros bolos. Voilà. Ça, c'est vraiment débile ce qu'ils font. Ils l'ont mis très bien, puis du coup, il bug. Donc ouais, je vous disais pas aller sur Paris parce que sur Paris c'est le bordel. Et la fois en fait on était sur Paris et en fait je roulais doucement, je sais plus si c'était en hors de vidéo. En fait je m'amusais à rouler doucement. Et il y a un mec qui est arrivé mais sur le côté, que de poisson qui m'a fait. Donc du coup j'ai eu peur, je suis parti sur le côté. Côté droit j'ai tapé sur les murs et tout. Et le mec en fait bah il m'a tellement énervé, je me suis redécalé, j'ai mis un coup de volant sec mais il m'a doublé en même temps. Il a pris peur, il s'est encastré sur les piliers au milieu de la route qui séparent les poteaux. Il s'est empilé dessus. Et le mec en fait il a ragé. Ah mais c'est chiant parce que... C'est vrai comme dit Anto, on est là des fois pour jouer tranquille, il y a toujours des mecs qui bloquent quand je vois des fois aussi... Je regarde des lives sur le jeu. T'as des mecs qui sont là pour te bloquer la gueule, donc du coup à chaque fois bah tu te fais avoir et c'est chiant. Je peux confirmer, c'est chiant. Quand t'as le mec, juste pour te faire chier, il te bloque et tout, ou il se met de travers, ou voilà, ils font une... c'est chiant. Donc c'est pour ça, tout simplement, je me méfie maintenant. Puis maintenant, s'il veut taper, vas-y, j'ai de la thune. C'est pour ça que je me suis mis un peu de thune, ça sert. Comme ça, c'est un mec qui veut me faire chier, il me tombe dans le camion. Je la répare, voilà, mauvaise fenêtre. Le camion est dans la merde. Ça fonctionne plus du tout. Non mais c'est pour ça que... C'est bien mais c'est chiant. Quoi? Hop. On va rentrer là. On va le laisser, je sais pas s'ils sortent. Oh ils sont gentils. On va prendre en marche avant. Pour finir la vidéo tranquillement. On va juste abaisser un peu le son. Juste, mais moi je mets tout le temps les feux, les warnings. Le camion est un petit souci. Voilà, je rabaisse un peu le son. Voilà. On est arrivé les amis. Voilà. Ça s'est rempli, ok, j'ai plus rien.
Si, là, je peux remplir encore ça, je pense. D'accord. Bah, je remplis tout, tant qu'à faire. Hein? Donc, ça y est, les amis, je suis tranquille. J'ai mon camion, du coup, j'ai livré. Donc, voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime et de me dire si vous voulez participer, du coup, aux vidéos ou pas. Moi, sur ce, je vous laisse sur les images. J'espère que ça vous a vraiment plu. Bon game à tous et donnez votre avis dans les commentaires. Moi, je vous dis à très vite. Ciao, bye bye. Salut!